Ok, salut les gars, salut la famille, je suis au Kremlin, je suis en fait, c'est Kazan carrément, la ville, en Russie, le pays. Donc voilà, aujourd'hui c'est une soirée, une nuit consacrée au vélo. Nous sommes réunis avec tant de personnes qui sont là, en tout cas tout autour. Voilà, il y a de professionnels, de semi-professionnels, eux, nous bien sûr, les amateurs. Donc voilà, je suis avec ma nana qui est là. Période. Et ben voilà, je pense que vous serez vraiment coaché et scotché. Donc voilà, sur cette vidéo, tout au long de ces parcours, en tout cas, je pense que ce sera bon. Avec vous, nous allons essayer de donner le maximum pour que la fête soit bien longue et bien heureuse aussi. Donc voilà. Et voilà, le temps est donné. Tout le monde s'en fait suivre l'itinéraire. Là, c'est madame qui est là. Donc voilà, on m'accompagne. Donc voilà, un tout petit peu enjaillé. Donc on passe un très bon moment. Je pense que la nuit, elle sera bien tombée en tout cas. Ah ouais. Hola, привет, bro. Salut la famille, nous sommes en train de payer du bon temps. Ah oui, ça fait du bien en tout cas, à vélo, de pédaler pendant la nuit. Nous, nous faisons un tout petit peu du sport. Ah oui, ça fait du bien. On s'est pris un moment. En tout cas, ça fait du bien, un bien fou, un bien énorme. Du bien en tout cas. Ah, ça se sent de fou, hein, on retrouve de fou un peu partout, comprenez. Depuis lors, je n'ai jamais senti ce que je ressens en ce moment. Vous m'excuserez, mais ça dépasse en quelque sorte quelques sentiments déjà communs, quelques sentiments déjà connus par tout le monde, parce que là, c'est une étape en tout cas que je suis en train de franchir.
Le vélo, ce n'est pas simplement un sport, mais c'est aussi un art. Je découvre enfin ma deuxième passion. Donc voilà quoi. Казань и Республики Татарстан. Добрый вечер. Первый этап нашей велоэкскурсии преодолен. И мы находимся в Старо-Татарской Шумбаве. Или по-татарски, или по-татарски. Voilà la famille, nous avons atteint le premier itinéraire, il nous en reste beaucoup d'autres. Donc voilà, nous sommes en train de profiter de la nuit. Nous avons toute la nuit pour nous. La rue, elle est bloquée de là où le temps a été donné. Jusqu'à maintenant, nous ne faisons que pédaler au bout de la nuit. Donc une nuit à vélo, c'est un bloc beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je pense que ce sera encore bien bon. On continue la poursuite, c'est bon. On poursuit la balle. Period! Une nuit à vélo, en tout cas, au-delà d'un sport, c'est un art. Un art qui arrive à unir des professionnels, des semi-professionnels, ainsi que des amateurs. Et nous donnons le meilleur de nous, vivre le sentiment réel. Voilà, je suis accompagné de... de ma femme. Oh là là! Trajet une nuit à vélo. Une nuit à vélo. Une nuit à vélo. Une nuit à vélo. Eh ben, elle a dit une nuit à vélo. Exactement. C'est parti. Salut, là nous sommes en même d'atteindre le deuxième arrêt, dans pas longtemps je pense, en tout cas il y a pas mal de gens devant, il faudra être prudent, non c'est bon, je suis en train de filmer, et je conduis en pédale en fait, on peut également appeler ça la conduite, mais bon ça passe dans tout le cas, dans les deux cas ça passe, donc voilà. Un tout petit peu accéléré pour pouvoir me mettre en contact avec ma femme. Ah oui, pour ceux qui l'ignorent, et oui, je suis marié. Ah, et oui, c'est ça. Il y aura une vidéo qui viendra, une vidéo spéciale mariage en Russie. Mais dans ces vlogs, on s'est contente en tout cas de faire le parcours calmement ensemble. Tu vois. Le deuxième arrêt, en tout cas, pas mal de gens qui sont derrière moi. Tu peux faire balancer, ma belle. D'abord, il m'a dirigé. Donc, c'est les deux parts. Je pense que nous allons nous retrouver en chemin. C'est parti pour le troisième arrêt. Let's go. On poursuit la balade. Le troisième arrêt maintenant. Nous avons atteint le deuxième. Voilà, le troisième. Il y a pas mal de gens derrière moi. Je pense que vous voyez carrément. Ah ouais. En chemin, on se retrouve. C'est parti. Une autre partie de la ville. Je suis en compagnie de ma femme qui est là. Certaines personnes sont accompagnées par la musique. Avec eux, il y a deux mini baf. Avec eux, il y a deux amis. Il y a la famille également, quelques enfants. Enfin, qui savent pédaler bien évidemment. Parce qu'à cette heure, normalement, ils devraient être au lit.
mais certains parents promenaient leurs enfants pour leur inculquer déjà cette notion plus importante qui est le sport. Donc voilà. Au froid pour nous payer un souvenir, et ces souvenirs ça mettra une année avant que je sois délogé par un autre souvenir, parce que chaque année il y a une organisation sportive bien évidemment qui met en place ces marathons, on peut dire. Donc voilà. Remarquez, c'est la gare, donc c'est vraiment une grande partie que nous venons d'atteindre à vélo. Lentement et sûrement, on avance. Je pense réellement qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont derrière et assez devant. Nous sommes carrément entre ces deux groupes de gens. À vélo, en pédale, c'est les sports en fait. Voilà, on poursuit. On peut dire c'est une balade nocturne. Ah ouais. Je pense que ce sont des étrangers. Oh, привет. Voilà. Une file énorme devant. On nous donne le temps de
de l'autre côté qu'il faudra aller beaucoup plus vite dans son antenne. Au troisième arrêt, une nuit à vélo. On poursuit la balade toute la nuit. En tout cas, soyez toujours là. Nous passons à la quatrième destination. Je voulais dire arrêt carrément. Soyez toujours branchés. C'est parti. In absence, be vibe. Da, je pense qu'il est le temps de s'élever un tout petit peu. Je me suis assis. Je me suis trop donné la peine de m'asseoir. Et là, je me décide un tout petit peu de m'élever. Dans la route. Ah oui. Boum. Allez, allez, allez. C'est l'un des plus grands hôtels de Kazan. Ah oui. On poursuit la balade calmement. C'est très bien dormi en fait. Plaisir, la vérité que c'est de là, la vérité que c'est une balade, la nuit, c'est rare, c'est très très rare. Nous sommes sur, c'est l'un des grands ponts de Kazan. Voilà, давай вперед! Quelques mètres pour atteindre le quatrième arrêt, la quatrième destination. Let's go, c'est parti. Je transpire, je suis en sueur et à pied maintenant. Parce que c'est une montagne et tous, en tout cas nous sommes à pied. Nous faisons le pied pour atteindre le haut de la montagne, carrément le pic, comme on l'a dit. Et puis poursuivre à vélo. Il y a certaines personnes qui sont accompagnées, comme je l'ai dit tantôt. Il y en a d'autres qui sont seules avec leur musique. Je pense que tout va très bien aller. On atteint petit à petit le quatrième. Je vous retrouve juste après. Voilà. Là, nous avons atteint également un autre hôtel de Rennes, une autre partie de la
la ville carrément. Donc voilà, la route elle est barricadée. Parce que nous avons la priorité ce soir. Enfin cette nuit. Ça va des soirs. Ah ouais. On a atteint une grande partie. Une grande partie carrément. Déjà fait, c'est bien. Period, Kaya, period. Ah ouais. Voilà. C'est le quatrième arrêt. Nous sommes carrément au siège ministériel. Siège ministériel et de l'autre côté nous avons le théâtre. Donc voilà. Eh oui la famille, nous avons atteint le quatrième arrêt carrément. On poursuit la balade nocturne avec toute l'équipe de professionnels, des semi-professionnels ainsi que des amateurs. Pendant le parcours ça a été un petit peu difficile. Nous avons marché à vélo, nous braquons là pour vivre un rêve carrément pour moi. Souvenir qui sera délogé par sûrement un autre. Je pense réellement que vous serez en mesure de vous réjouir autant que moi, parce que moi, on sait que moi je les sens, je ne l'ai jamais ressenti auparavant. C'est quelque chose de très bien. Alors on passe un premier arrêt carrément pour ainsi mettre fin heureuse carrément à ces parcours. Donc voilà. C'est bien joli, je ne peux pas en tout cas vous cacher le bien que ça me fait en tout cas de partager ce moment avec vous, de partager surtout ces temps et de ces badiens, un grand souvenir parce que là je suis vraiment au cœur des ladiens. Donc voilà, je pense que ça vous ferait également du bien de le partager avec moi, quand bien même vous êtes derrière carrément l'écran, je dirais, à vivre ça en différé, je pourrais dire ça. Mais bon, c'est quelque chose de très bien, voilà. Nous avons fait un grand détour, un très grand détour pour ressortir derrière le Kremlin. Donc ça, c'est une église, c'est une paroisse en fait. Donc voilà. On continue la balade de l'autre côté. Amis, c'est la fin de ce vlog, c'est le dernier arrêt. Je pense que le professionnel, le semi-professionnel ainsi que nous les amateurs, nous avons passé un très bon moment ensemble, tout en pédalant à vélo, comme je l'ai appelé une nuit à vélo. Donc voilà, tout s'est passé très très bien à Kazan en Russie. Donc c'est une belle ville, vous avez bien vu les architectures, le monument, la route bien asphaltée, ainsi que la chaleur en fait de l'événement. Ensemble, ça s'est très très bien passé. Je pense réellement que cette vidéo vous fera énormément plaisir et grâce à celle-ci, vous aurez découvert, je pense, un tout petit peu la ville. Me découvrir aujourd'hui, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu possible, mettez vos suggestions en commentaire, laissez moi un mot juste au-dessus, je ne sais pas au-dessus, il y a toujours des vidéos pour vous disposer, regardez-les, dites-moi ce que vous en pensez réellement pour me permettre à moi d'évoluer. Je pense réellement que j'ai fait le tour, c'est déjà bon. Donc voilà également mes réseaux sociaux qui vont s'afficher là en bas. Écrivez-moi en privé si vous avez des conseils. En tout cas, n'hésitez pas à me les écrire, surtout en commentaire, soit passez par mes réseaux sociaux. Abonnez-vous surtout et activez la cloche pour recevoir pas mal de vidéos. Moi, c'est Vivant, je vous dis ciao, 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 la famille.